Regarde-moi. Ta peau est celle d'un adolescent. Mais ton regard, c'est celui d'un meurtrier. Voilà pour toi. Et pour toi. Le général revient ce soir. Il me fait dire qu'il aura une bonne surprise pour vous. Tu crois que c'est la fin? On dirait bien. Il n'y a plus d'espoir, je le crains. C'est faux. Tant qu'il y aura des Bretons prêts à se battre pour nos valeurs, il y aura toujours de l'espoir. Peu importe si nous mourons, tant que d'autres continuent à se révolter. Le décroisé avait tort. Quand je t'ai rencontré, tu avais le regard d'un meurtrier. Désormais, tu as celui d'un héros. J'ai juste changé de fréquentation. Je suis parti en quête avec un traître. En guerre avec un sociopathe. Et voilà que je suis enfermé avec un ami. Je suis juste triste de me dire que je pourrais rien faire pour venger Nabu. On ne pourra rien tenter pour Eliette. On ne pouvait pas savoir. On serait trahis. Hé, hey, c'est moi. Ça va? T'as pas été suivi? Le général Tirel, il sème la terreur dans toute la région. Il prend des gens au hasard et il leur fait tirer des pièces dans un bocal. Tous ceux qui ont des pièces rouges doivent se rendre dans leur base ce soir. Ça préserve Jeanne Dessart. Ça va, vous? Ouais, ça va. Hier, Jeanne a failli se reprendre quand il faisait sa ronde, mais ça va. Il doit y avoir assez de pain pour tout le monde. Par contre, pour les pommes, tout est réglementé, contrôlé. T'en fais pas. Ça suffira. Ouais, au fait. C'est à votre tour d'être... recherché. C'est dommage qu'il t'ait fait sans ta barbe. Ça donne un côté guerrier. N'empêche qu'ils n'ont pas perdu leur temps. Allons-nous-en. C'est un plaisir de te voir enfin. Je vois que tu t'es encore démené pour nous. Oh, merci. Les amis, un bout de pain par personne. Nous partagerons les quelques pommes qu'il y a afin que chacun. Je vous laisse souvenir. Merci. 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 Rose m'a dit que Tirel préparait quelque chose, avec des villageois qui tirent au sort. Depuis le temps qu'il les garde prisonniers, il a dû enfin se décider à faire quelque chose. Mmh. Il faut qu'on agisse. Mais que veux-tu que nous fassions? Nous sommes trop peu. J'ai bien une idée, mais ça va nous demander beaucoup d'organisation en très peu de temps. Je vais avoir besoin de toi. D'accord. Envoyez des hommes à l'extérieur. Et soyez vigilants. Il est très probable que le petit groupe de rebelles tente quelque chose ce soir. Je refuse d'être dérangé par une bande de croquants révoltés. Chers villageois de mon comté, si vous êtes ici, c'est parce que le destin a choisi, par le biais d'un hasardeux tirage au sort, de vous faire participer à cet événement afin que vous soyez témoins de ma bonté envers vous tous. En effet, vous avez été sélectionnés pour recevoir 500 écus chacun. Et oui, la rumeur dit de moi que je suis un général radical et violent. Mais ce ne sont que des balivernes. Je ne suis qu'un humble soldat, dont le rôle est de faire appliquer les règles de son ordre. Voici pourquoi vous allez recevoir ces modestes bourses en gage de mon amitié envers vous tous. Qu'on leur donne leur argent! Néanmoins, sans vouloir faire preuve de cruauté, je tiens à poursuivre ma démarche de montrer l'exemple à tous. Ces deux individus perturbateurs se font appeler l'archer et le vagabond. Mais derrière leur surnom se cachent surtout des criminels. Certains d'entre vous les ont considérés comme des héros, des sauveurs, hein? Mais ils ne sont ni plus ni moins que de sauvages rebelles. Voici pourquoi aujourd'hui, afin de tirer un trait sur le passé et de pouvoir avancer dans le futur, il est temps de les supprimer de nos mémoires. Je vous propose donc, en contrepartie de l'argent qui vous a été attribué, de venir, les uns après les autres, mettre un coup de dague à ces hors-la-loi. Allez-y, je vous en prie. Mais que faut-il vous donner de plus pour que vous exécutiez les ordres? Le double des culs? Soit. Je vous promets le double des culs. Si vous venez supprimer ces deux renégats. Personne. Très bien. Te souviens-tu des signes que tu m'as fait lorsque tu m'as lâchement tiré dessus? C'est ça, rigole. Rigole! Sur qui comptes-tu tirer à présent, l'archer? Vous n'avez pas voulu saisir l'opportunité que je vous ai offerte. Admirez ce qu'on fait. Ceux qui s'opposent sont écrasés. Moi, je prendrai le double des écus. En voilà un. En voilà un qui a compris les règles du jeu. Approche, mon ami. Le symbole sera bien plus fort si c'est l'un des tiens qui supprime ce résidu de héros. J'aurai le double des écus, c'est promis. Promis. Putain, faut retrouver mon code. Attends, Mandrade, je crois que j'étais sur ton doigt.